Welcome tout le monde, c'est The Executor, on se retrouve pour un nouveau tuto spot across Tomahawk et couteau balistique sur Black Ops 2. Donc voilà, je vais pas encore une fois commenter les images. Voilà, vous voyez où faut se placer. C'est un spot sur Nocton que j'ai fait avec Nova X Predator. Donc voilà, merci à lui, sa chaîne sera en description. Voilà, donc c'est plutôt simple et c'est plutôt efficace, je pense, comme spot. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire en partie. Voilà, grand merci à lui de m'avoir aidé. N'hésitez pas surtout aussi à me proposer des spots en commentaire, tout simplement. Donc là, bon, bah, du coup, vu que j'ai encore un peu de temps, je vais commenter un petit peu les images. Donc voilà, vous avez juste à placer votre Tomahawk à droite de ce petit nuage que vous voyez à l'écran. Et vous lancez votre Tomahawk. Et normalement, ça devrait atterrir dans l'allée qui mène à la brigade atomique. Donc, qui mène donc à A, c'est ça? C'est A, il me semble, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc voilà, ça rentre de assez beaux spots. Et après, bon, bah, le spot au couteau balistique, qui lui, tout simplement, est un spot qui va mener du top à la petite allée gauche en côté du garage du spawn de A. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt beau gosse. C'est pas compliqué à rentrer. Voilà, vous placez vraiment votre curseur où je le mets et vous rentrez ce spot. Vous pouvez le placer plus bas ou plus haut si vous avez envie que ça aille plus loin, hein, le couteau. Voilà, vous pouvez alterner. On envoie un couteau là, puis un plus bas, puis un plus haut pour essayer de toucher plus d'adversaires. Mais c'est toujours des spots sympas à rentrer en début de partie. Voilà, moi c'était The Executor. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens. Peace. De rien.